Ça fait des mois qu'on attend ce moment, donc on va plus reculer maintenant. Voilà, c'est une envie commune. Moi, j'ai déjà couru, Nico avait envie de la faire. Et la faire ensemble, c'était finalement la meilleure solution. On a un peu hâte que le départ il arrive. C'est vrai qu'on piétine tous un petit peu avant le départ, quoi. Et puis après, on va être vite lancé dans le truc. Donc voilà, faut passer la première nuit, aller jusqu'à Cilaos, il fait toujours un peu froid, donc voilà, on va essayer de faire au mieux. It's a little crazy. it's good. I don't know yet. I'm really excited to see about the race. I wouldn't rather be anywhere else in the world right now. Prêt à repartir, ouais, je suis là parce que ça me plaît énormément de faire cette diagonale, donc quel que soit le résultat, peu importe, l'essentiel c'est en tout cas de prendre ce départ et de se faire plaisir pendant 24 heures et on verra ça au bout le résultat. Les caméras, ils lâchent pas nous, hein, vraiment. Et toutes les réunions, ils continuent en fin de compte et c'est pour ça qu'on a l'impression de donner un peu plus de pression que les autres. Mais comme tout le temps nous dit, nous va faire au mieux et après, l'objectif c'est de finir la course. C'est plus les médias qui me mettent de la pression justement. Mais bon, ça va. Ça va, ça va. Avoir ce niveau relevé, ça ne peut être qu'une chance pour nous. Enfin, vraiment, c'est extraordinaire. Je suis très heureuse d'être sur le départ avec tous ces grands noms. Et Marcel particulièrement. De bien finir surtout. Et ben, nous souhaiterions bien ce grand raid sera pour un coq-pays. Au moins, nous connaissons des gros poteaux, mais au moins, nous aimerions bien, c'est un coq-pays. Ils pourront ça cette année. Oh, essayer de tenir la cadence au moins jusqu'à la plaine et ensuite on verra si ça lâche ou ça tient et un petit peu de manque un petit peu de motivation vu que mon cousin il court pas sur le trail bon mais... J'ai eu malheureusement un petit contre-coup les derniers jours avant ce départ. Donc ça a quand même affecté mon physique et mon mental une bonne partie de la semaine parce que j'ai beaucoup douté si j'allais prendre le départ ou pas. I feel very relaxed and you know, I'll just try to follow the plan which was like directed by my wife. She just called me and said, "Hey, Gediminas, you already won the Ultra Trail World Championship, so just take it easy, enjoy the trail and don't get injured." Oh, je sais que ça va être dur, mais que ça va être sympa, mais je connais pas tout parce qu'en fait, l'année où je l'ai fait, c'était le col du Taibit qui était fermé, donc on avait fait un petit détour par Salazie. Donc là, il y aura une partie nouvelle et ça, c'est quand même sympa aussi de découvrir. Yeah, I think it's also going to be warm. I normally like it to be quite warm, so yeah, I think I'll enjoy it. I know tonight might be a bit wet with rain, so I think it's going to be interesting, a bit of hot and cold. It makes the race a real challenge. I hope I have the same good race last year, like last year. I expect a podium. I hope I can win, but it's a long way. Il n'y a plus qu'à lâcher les fauves maintenant.